Bonjour. Bonjour. Oui, ça vous allez bien. Ici, on finit du coup notre trio parfait de Selina Kyle, Mera, et on finit avec Harley Quinn. Bon, malheureusement, on finit pas en beauté. Et voici du coup le bus Infini Studio, Harley Quinn Suicide Squad. Alors, Jo, verdict pour commencer. C'est compliqué. Ouais. C'est pas mauvais, mais il y a des trucs où on voit que c'est deux Infinity Studios qui ont travaillé dessus. Une partie est en résine, une partie est en silicone. Partie silicone, il n'y a rien à dire. Partie résine, bah c'est la résine d'Infinity et je comprends pas que ce studio fasse toujours de la résine. Alors j'ai une question, le truc c'est que ce bus là, d'accord qu'il a été en préco avant Selina Kyle et Mera. Oui. Ok, donc du coup c'est la plus belle production par rapport aux deux nouvelles. Ok, déjà ça se voit direct, déjà c'est dommage que ce soit si en retard. Alors on est à 809 exemplaires en plus pour la statue. Ce qui est dommage c'est qu'ici, c'était, bah, à l'époque c'est la première qui avait augmenté à plus de 4000 euros. Nous ici on est à 4200 euros plus ou moins de mémoire. 4300, ouais, je pense. Alors que les deux suivants qui devaient sortir, qu'on a eu un peu avant, étaient à 4150 euros. Là, ça justifie encore mieux leur prix, je trouve, celle qu'on a présentée en vidéo, la Selina Kyle et la Mera. Mais celle-là, c'est chaud. C'est très très chaud parce que là, je comprends que les gens ne sont vraiment pas contents. Il y a des gros problèmes. Alors, on va quand même commencer en review normal. Le visage, alors là, on est sur Margot Robbie, Suicide Squad, le premier film. Le visage est bien, mais j'ai l'impression qu'il est asymétrique. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je trouve que. En fait, le truc, c'est que je voulais que la face. Sourire ou elle a des mimiques dans le film qui fait que on aurait dû le faire en au niveau expression faciale. Ici c'est quelque chose de très lisse au final. Bah en fait le visage est pas mal, on reconnaît Margot Robbie, mais c'est pas comme les autres, tu vois. Il y a une différence de travail au niveau où on a une expression faciale qui est cool, mais ça manque de vie, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça manque de vie, ça manque de peps, ça, et j'ai l'impression qu'elle est, tu vois, il y a au dit qu'elle a son flanc gauche qui est un peu gonflé. Son flanc gauche à elle, tu vois. C'est une impression. Parce que, après, niveau texture, le tatouage méga bien fait, les traces de maquillage super beau, les yeux, dire, on a un beau travail, même niveau de la bouche, etc. Dire, c'est super beau, c'est du bon travail, la qualité y est. Mais je trouve que Margot Robbie, il y a un problème, tu vois. Après, j'ai jamais vu de Margot Robbie parfaite, personnellement. Quand je vois la Prime Beachway, elle est magnifique, mais à toi de côté. La Sideshow était la plus ressemblante de Margot Robbie, la Funny machin, etc. Mais ça reste Sideshow, donc t'as pas la définition comme GND, machin, etc. J'ai pas vu la GND, c'est vrai, j'ai pas pensé. Mais GND de ce joueur en photo, c'est. Mais eux, ils ont compris, au niveau de pression, ils l'ont mis avec le sourire, tu vois. Ça, voilà. Donc voilà. Le mix média au niveau des cheveux, cheveux implantés, déjà pré-coiffés, vous avez plus qu'à mettre en fait ces deux pièces-là qui sont aimantées, que vous devez clipser pour, on va dire, faire ces faux chouchous, mais il y a déjà des chouchous en plastique qui permettent de tenir les cheveux. On a encore rien coiffé, donc je pense qu'il y a quelques coiffures à faire de base, mais bon, encore une fois, c'est pas à nous, on va pas quand même commencer à jouer avec. Mais voilà, le visage en soie et en silicone, jusqu'à la démarcation du cou. Là, en fait, au niveau de ses épaules, etc., vous allez avoir de la full résine. Et c'est là que ça pose problème. Ça pose problème. Heureusement, il y a ce collier en cuir qui se met dessus. Donc, ça permet du coup d'enlever la démarcation comme Daenerys à l'époque avec son collier. Sauf que là, on voit déjà que la couleur de la peau est légèrement différente. Trait de la peau, trait de la texture. Maintenant, je viens de me poser la question là dans ma tête. Résine silicone. Ben, résine silicone. Mais en fait, le truc, le problème, c'est qu'ils ont vu cette pièce comme... Et beaucoup d'éléments par rapport aux autres. Aux autres, ouais. Ils n'ont rien à part le Batman avec le Batarang, la batte, le fusil. Du coup, la batte repose ici. Il y a un petit élément pour le maintenir. Mais du coup, ça aurait été sur le silicone, ça aurait dégommé le silicone. Ouais, d'accord, ouais. En fait, leur idée n'est pas mauvaise, mais sauf que ça du coup. Ça la peinture. Ben, ça tu, la peinture. Ouais, il y a un mec qui a la peinture, il s'est pas dit. Non, ça va, les gens verront que du feu. À ce moment, peut-être que c'est deux usines différentes aussi. Tu vois, peut-être qu'à ce moment-là, ils ont. Ben, concerte-toi. Ouais. Ou, tant pis, avec le retard qu'il s'est tapé. Mais repasse tout au patch chez toi et regarde. Ouais. Après, je sais pas le travail que c'est, ouais. Voilà. Et maintenant ils ont déconné au niveau tirage, mais je sais pas le travail que c'est au niveau aérographe pour refaire plus ou moins le même travail. Même, voilà, c'est deux matières différentes, du coup, deux réactions différentes. Mais je trouve ça juste un peu dommage. Oui, si on met pas le nez dessus, ça se voit pas, je trouve. Mais si on met le nez dessus. Ouais, voilà. Ben, alors là, ça se voit un peu, mais ça est passé. Si on regarde, ça va encore. Alors l'avantage, c'est que les deux bras, eux, sont en silicone. Mais vous avez du coup, en fait, vous devez mettre avec des goupilles les bras en remontant les t-shirts. C'est super chiant, mais ça va. Une fois que c'est fait, ben, en fait, la résine va plus ou moins s'arrêter. Allez, au niveau du coude, un petit peu avant le coude, parce qu'une fois que tu retombes dessus, ben, c'est très bien pensé. Les deux bras, du coup, sont en silicone. Le bras droit, lui, ben, il y a le tatouage qui est quand même assez bien fait. On a vraiment. Ben, ça super propre sur le silicone, franchement ça rend hyper bien. Il y a le petit collier yes qu'elle a juste au bout. Il y a 1 mètre chacun, alors n'oubliez pas, donc sur chaque bras normalement vous avez un bracelet aussi en métal qui est 1 mètre comme les femmes vont dire, ça serre sur le poignet. Comme ça d'expo pour un client, on n'a pas forcé, mais il y a deux bracelets, je ne l'ai pas mis parce que je ne vais pas commencer à griffer, moi je ne suis pas du genre à jouer comme ça. Mais du coup le bracelet,
Avec une main en fou, c'est des coudes où on se dit, ouais, on pensait que c'était le fly dedans, on a un peu peur, mais non. En fait, vous avez déjà la bague qui est mise, le silicone est bien travaillé, on voit le paume de sa main, c'est encore pareil, c'est tout. Hyper bien. Super cool. Et en fait, la batte de baseball qui est encore plus réaliste que celle de Noble Collection, parce que là, elle est en vrai bois, et regarde, tout a été. C'est pas comme la Noble Collection, tu vois le sticker, tu vois là, ça a été fait. La batte est parfaite, c'est la réplique exacte du film avec les tissus. Donc, vous dire, au moins, la batte, ben, si tu veux une belle batte à 4000 balles, au moins, elle est queen et les bonus avec, quoi. Si tu veux justifier. Mais après, elle se met dans la main facilement et puis elle s'appuie sur une petite pièce de résine près de son soutien à gorge au niveau de sa clavicule ou de son épaule droite. Et bien en fait, il y a un petit pin en résine qui permet de retenir la batte pour pas qu'elle glisse et que ta main elle se retombe. Tu vois. Donc c'est bien pensé. La batte est bien et donne de l'envergure à la statue. Ça, il n'y a pas à dire. Donc voilà. Ensuite, le bras gauche. Alors là, niveau montage, c'était un peu particulier parce que vous avez le bras avec le bras en silicone qui est pareil, bien travaillé, la peau est de la même couleur que la peau du visage, donc c'est parfait. Mais à côté de ça, arrivé à la main est entièrement en résine et c'est là que ça a posé problème, c'est qu'une fois arrivé sur la main, vous avez une main qui n'est pas du tout de la bonne couleur de aucune de la peau de n'importe quelle statue. Parce que du coup, ça ne correspond pas à la peau. Enfin, le truc, on a l'impression que c'est une main d'un vêtement mannequin que vous pouvez trouver dans les magasins de vêtements. Et je trouve ça très problématique parce que, bon, pour le prix, faut pas déconner. Maintenant, qu'elles ne sont pas exactement la même teinte, ok, pourquoi pas, mais elles ne correspondent même pas à la teinte. À la résine qui est là. De là. Voilà. Donc, tu as vraiment l'impression qu'on leur a dit, ils ont du feu, il y a un gant. Il y a un fusil. Bah, en fait, tu sais ce qu'ils ont dû faire? Bah, mettre un gant. C'est pas accuré, tant pis. Pas mettre de mitaine, ils mettaient un gant. Comme ça, il y avait. Parce qu'ils auraient mis le gant et j'aurais fait, c'est pas accuré au film, ils auraient dit, allez, ça va, je veux bien. Je comprends, les doigts ont été compliqués. Ils auraient dû directement se rendre compte parce que le gant lui-même est magnifique. Il y a un effet de simili-cuir un peu, un peu texturé qui est vraiment chouette. Dessus, vous avez le fly qui est déjà positionné. Vous devez juste mettre le barillet et la sécurité et vous savez tourner le barillet pour mettre love, hate, etc. Le flag est magnifique. Il n'est pas trop lourd. La main se met en résine. Donc, franchement, logistiquement, on avait peur. Je ne sais plus qui m'avait parlé que ce soit une main en silicone et que le flag tombe. Je sais plus qui m'a dit ça, mais bon, à l'époque. Mais en tout cas, voilà, là, ils ont résolu le problème. C'est chouette, mais ouais, la peinture là-haut. Alors, c'est tellement flagrant, tu peux pas le rater, je suis sûr n'importe qui le verrait, tu vois. C'est comme un effort d'un couloir. C'est un truc de fou. Donc voilà, c'est les éléments du coup de la buste Harley Quinn. Ensuite, on est sur le body entier. Alors, le body entier est en résine. On m'a beaucoup parlé d'un problème de couleur au niveau du bide, mais bah non, moi je trouve pas, perso. Quoi que tu veux. Enfin, c'est vrai que ça fait blanc, mais bon, comme elle est déjà pas très foncée et pas très bronzée, et que ça correspond un peu à la peau, ça, moi ça me choque pas, perso. C'est pas un truc qui me choque. Par rapport à la main ou à un autre truc, ouais, moi je m'en fous. Même. Tout est en résine et elle a un soutien-gorge déjà installé en dessous, donc vous dire qu'ils ont vraiment quand même fait le mix média pour faire grandir la femme est habillée, etc. Pas en silicone, heureusement, ça aurait pu déconner. Le t-shirt est chouette, ça reste un t-shirt qui est de bonne qualité, vraiment hyper accurate à sa version cinéma, puisque on est sur ce t-shirt très fin et transparent pour montrer ses formes et ce côté un peu, pas déchiré, mais abîmé. La lanière ici, donc c'est holster, sont à mettre également soi-même, avant de mettre les bras, parce que du coup, t'as tout qui est coupé, facile à mettre de chaque côté. À la base, je pense qu'il faut serrer d'un côté, moi je n'ai pas trop serré pour que ce soit bon, mais il y a moyen de mettre du coup les flags, etc. dedans, dans la réalité, pas dans la statue. Mais voilà, l'idée est chouette, ça l'habille un peu plus. Et la statue finit sur un socle, on va dire, fini. Fini, ouais, chouette. Mais, manque d'un truc. Il est bien, le montage est simple, ça fait clac clac, t'es aimanté, c'est fini. Gros logo Suicide Squad. Mais je sais pas, il y a un truc, je trouve qu'il manque de couleur. Pas de couleur, de clarté, tu vois. Il est un peu sombre par rapport à la statue. Et comme le film. Oh putain, waouh, c'est vrai. Mais il bah, sans être méchant, ouais, au final, il est très fidèle par rapport au film. Ils avaient utilisé une Harley The Suicide Squad. On n'a jamais vu après toi. C'est vrai. Ah ouais, avec son cuir, ouais, c'est vrai. Et du coup, non, logiquement, c'est avec la robe rouge. Non, moi, je suis sûr que c'était avec son costume au début du film. J'avais juste la robe rouge. Moi, c'est le contraire. Bah bon, Du coup, ça, pour moi, ça correspond au film. Voilà. Bah oui, c'est ça. En fait, la statue, mais comme disait l'autre, elle a été faite pour le film, façon de parler, mais tellement dans un moment où il y avait le Covid et tout, et t'as l'impression que la statue, surtout, t'as rendu la blague, ils ont dû avoir les yeux plus hauts que le ventre, ils se sont dit, ok, bah, c'est bon, il y a des blaireaux, ils ont en train d'acheter, façon de parler, et on va monter les exemplaires. Mais j'ai en tête que celle-ci, il y avait eu un problème justement à l'époque, et ils avaient annoncé un tirage bas, et en fait, ils se sont rendu compte qu'ils avaient trop alloué de pièces. Et du coup, au lieu de dire non aux clients, Ils ont augmenté. Ça expliquerait pourquoi Deadline aussi longue. Ouais, ouais. Et en plus, des choix un peu bâclés à certaines niveaux. Rapide et bien fait, ouais. Personnellement, ça reste une belle pièce de collection. Ouais, 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 bien sûr, ouais. Mais pas maintenant, pour ce prix-là. J'irai pas ça. J'irai pas à ce prix-là, mais à maintenant. Ah ouais. Malheureusement, entre-temps, JND est apparu. On va pas se mentir.
ils ont été pétés des games à certains endroits qu'on ne les attendait pas. Et je pense que c'est là le problème, c'est que ce bus sont beaucoup trop tard. Il s'est sorti avant JND apparaisse. Ouais, c'est passé crème. En fait, les gens auraient un peu gueulé, mais ça aurait encore été. Là, malheureusement, à l'heure actuelle, on a un studio qui est capable de nous foutre tout en silicone. Ouais, même Queen Studio, au final, a quand même sorti des trucs en silicone qui étaient quand même de qualité. Et puis, comme je disais, on a eu Katoon et Mera avant. En fait, là, malheureusement, oui. À l'époque, les gens ont un peu gueulé, mais quand tu vas. Enfin, personnellement, j'aurais préféré payer 4 650 € pour celle-là, et qu'elle soit comme Mera et Katoman, que payer 300 au moins cher et avoir ça. Et le tirage, pareil. Je disais des trucs au moins. Soit c'est la statue un peu comme la Ahsoka Rebels Sideshow. Où on s'est dit, waouh, Sideshow, ouais, 4000 exemplaires, non, 7000. Là, c'est du foutage de gueule, tu vois. Tu peux plus dire à des gens, comment des fois on en parle avec Amaury, vraiment, t'as envie d'acheter un truc qui est limité, quoi. Pas un truc qui a. Ah, c'est vrai que c'est bien que certains studios, bah, tous les studios maintenant ont redescendu au niveau des tirages. C'est un plaisir parce que quand tu te dis, imaginons le même problème, il y en a 30. Putain, je fais partie un des 30. 30 personnes, ouais, c'est ça. C'est cool. Ce bus, pour moi, quand même, a sa place dans une collection, mais il va faire pas tâche, mais il va être un peu plus sous le côté. Genre, imaginons, bah, on prend nos clients. Pense pas. Si, je pense que ça donnera bien, mais comme j'ai dit, il ne faut pas venir mettre l'œil sur le détail, ouais, sur certains trucs. Mais quand tu payes un truc avec plus de 4000 balles, tu le regardes dans le détail, bro. Franchement, imagine maintenant, c'est Superman, c'est Henry Cavill, ou même c'est le nouveau Superman, je ne sais plus comment il s'appelle l'acteur. Et, du coup, imagine tu payes 4 500 € pour un bus Superman, tu de loin, tu te pas mal, mais quand tu dois y aller, ce que tu vas faire chez toi. On va voir le coup. Alors là par contre, je détruis ton argument. On va voir le coup. Superman Black Suite, toute de la résine là, juste icône là, et là. Oui, mais c'est combien? Ah, oh, c'est 5000. Ouais. Bah, t'as raison. Et même celui comme ça, au final, c'est une bête veste. Ouais, mais c'est 3800 €. Oui, mais on utilise ses prix. Ouais. Mais au final, quand tu regardes, bah, tu dis, ouais, t'as juste ça, il est mort en silicone. Ouais, c'est vrai. Donc, il est défendable. Détruire comme ils l'ont fait, non. Il mérite pas le bashing qu'il y a eu dessus, je trouve quand même. Mais oui, effectivement, Infinity aurait été plus clair lors des précommandes. Ouais. Et écoutez, voilà. Sachez que, par contre, ça sort en résine, et malheureusement, on ne sait pas le travail que ça a donné. Au final, parce que ça reste de la résine. Et on ne va pas pousser le travail parce qu'il y a le gant, et on estime qu'avec le gant, bah, ça fait camouflage. Parti de là en résine, c'est le premier Infinity. C'est qu'il devrait faire comme. C'est Tsumé, je crois, de mémoire qui fonçait, dit telle partie. Non, telle partie en PU, telle partie en PVC, telle partie en résine, telle partie en résine. Et on est l'enfant. Ça a été dit. Pas de problème. Ouais, tu vois, je suis au courant. Voilà, ça en bois. Voilà, t'as quand même battu en bois. Un fusil hyper réaliste en résine. Et elle travaille pour. Maintenant, oui, bon, quand on voit ce qu'on a eu ici, bah, surtout Mera, qui a mis le level haut. Ouais, putain, tu te fais, ouais, il y a un petit souci, mais je trouve ça va encore. Pour ma part, voilà, c'est un 8 sur 10. Ça reste quand même une belle statue, c'est pas mal. Moi, je suis quand même un peu déçu et le tirage est trop élevé. Et c'est pas normal en 2023 quand même de faire des trucs aussi négligents parce que c'est de la fainéantise ou des problèmes d'usine qui auraient dû communiquer. Comme tu as eu au-dessus de mon téléphone, et, écoutez, on a des usines qui ont foiré. Il faut le dire aux gens, écoutez, voilà, désolé, ça sort tard parce que la usine a merdé. Alors que celle-là est plus en avance parce qu'on a une bonne usine. Comme n'importe quel magasin, personne n'est parfait. Mais il faut l'assumer et ou corriger. À ce moment-là, tu envoies directement une main de rechange. Réellement, tu te fais pas chier, tu envoies une main avec un flag à tout le monde, comme avec le. Je sais pas qui, mais Ogle Goku avec le Dragon. C'est ça. Tu envoies des mains, écoutez, les gars, voilà vos mains, pas en silicone, mais au moins avec un gant finique, ou les doigts qui sont à changer, je sais pas quoi. Comme ça, au moins, vous avez un truc. Ça, règle les mains. La plus. C'est les mains. Moi, c'est les doigts dégueulasses qui sont là. Le différence de peau là légèrement, faut pas déconner, c'est un silicone et résine et tout en silicone. Le poids de la batte et tout, ça va jamais fonctionner comme tu as dit. Mais vraiment, le poids à mort, c'est ça. C'est les doigts. De poupées, de trucs dégueu de magasins de supermarché de Walmart, quoi. Faut pas déconner, tu vois. Mais le reste, c'est vrai que ça va. Mutation un peu haut, c'est Harley Quinn, faut pas déconner, le nombre de gens qui ont appris Harley Quinn là, c'est tout à fait normal. Mais voilà, et puis elle est un peu moins chère au moins que Mera et Catwoman, donc on va se dire, on justifie la main puante façon de parler. Et toi, Joe? 8,5, juste pour dire d'avoir un peu sur toi. Mais voilà, moi, je m'attendais vraiment à un truc où je dégueulasse, me dis, ouais. Merde, parce qu'ils ont quand même pensé à Joncture, tout train, ou. Les photos, encore une fois, des gens sur les groupes, etc., étaient horribles. Enfin, les groupes, les réceptions asiatiques, où le visage était tout déformé, je me dis, mais. Même on est dans une période où justement, tu peux détruire quelqu'un, tu le fais, tu vas à fond. Ouais, c'est vrai. Donc, bashing gratuit, c'était réellement gratuit. Si elle vous intéresse, malgré notre review, on a comme une ou deux pièces disponibles. Il y a d'autres gens qui n'ont malheureusement pas pu leur précommande. Là, bah, ceux qui savent qu'ils sont arrivés, bah, c'est ça qu'on va livrer aux premiers clients. Donc, on remercie déjà leur fidélité et encore une fois de leur confiance. On le fera du coup les prochains. Batman, Superman, je pense. Superman et Batman Bale, c'est non. Ça non. Daenerys. Je pense pas qu'on l'aura pas celle-là, si. J'ai en tête qu'on en a. Ouais. Ok. Que si. Bon, du coup, voilà. Et après, il y a Batman Bale que j'ai vu qui est en train de sortir. Superman Noir. Superman Noir, il est pas fini. Voilà, et puis c'est fini. Ils ont annoncé d'autres trucs, mais c'est tout.
Ouais. Comme d'hab, en fait, là, on va. Regarde, c'est Naitiri qui va encore arriver au Pricor. Naitiri. Oui, ils font un bus Naitiri et une statue à demi. Et la statue à demi Aragorn, on précommande très bientôt aussi. Ah ouais, j'ai fait les photos. Et puis là, bah, il y a la Shanghai Comic Con. Et du coup, bah, là, on pense. C'est vrai que bon courage, ouais, on va se faire défoncer par XM, par tout le monde. Je pense que là, ils sont chauds à d'année. Je sais pas pourquoi ils arrivent. Les fabricants asiatiques. Ouais. Ils y sont. Ça va être un truc de fou. On va le sentir. Donc voilà. Merci à vous tous encore une fois de votre suivi, de votre abonnement et surtout de votre passion. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettez un commentaire à ces vidéos. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.